Tata. J'ai peut-être lancé l'enregistrement au moment où le logo est en train de hurler dans le casque, enfin dans le truc. C'est pas grave, bonjour et bienvenue dans Chanter Half Genie Hero, que je ne peux pas prononcer en anglais correctement car je ne prononce pas l'anglais correctement. D'autres questions? Merci. Non, non, toujours pas de nouvelle partie, non, ça va pas. Problème dans les cheveux là. Oui, oui. Alors, la dernière fois, on avait trouvé un cristal blanc et on... Y a rien qui va dans cette phrase. Dans la deuxième ligne. Bref, la dernière fois, on avait trouvé un cristal blanc et on nous avait nonchalamment appris que c'était bientôt la fin du monde. Donc, en toute logique, premièrement, on a placé le cristal blanc. Et ensuite, on va aller sauver le monde. Ah, attendez, on a perdu de la vie. Oui. Magasin, on n'a plus vraiment les moyens. Celui-là, on a été le voir. Ça, on a été voir. Ok. Comment est-ce que tu sais ça, petite? Peu importe. On va jeter un œil à la galerie d'art. Juste comme ça. Oui, oui. Coucou le maire. Si tu trouves les 10 clés de la... Si tu trouves les 10 clés de la galerie, je vais te donner... quelque chose. Non, non, pitié. Alors, est-ce que ça s'est ouvert? Ah ouais, en fait, c'est pas une clé, un truc, c'est... Risky Boots. Qui n'a pas de bottes d'ailleurs. C'est juste son nom en fait. On va pas tout regarder. Déjà parce qu'on n'a pas tout débloqué, il faudra en revenir. Et ensuite parce que quelque part ça fait un peu bonus. Ça fait peut-être partie des choses que j'ai pas envie de mettre dans la vidéo. D'ailleurs, c'est des trucs que tu débloques donc. Oui, pourquoi je saute comme ça? Parce que... Alors, la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde... Comment elle le sait? Ah. Elle va t'amener dans les problèmes. En même temps, des problèmes du style « Une bête géante va arriver et dévorer le monde. » Je suis presque sûr que même si tu vas pas la chercher, il y a un moment, ça te concerne. Ah ouais, c'est loin. Oh, il y a que deux trucs. Oh, c'est probablement un tout petit niveau, en fait. Vous êtes bien naïf, jeune homme. Pas la peine de sauvegarder, c'est un tout petit niveau. Salut, Roti. Ok... La créature d'une horreur innommable. Ok. C'est bien d'avoir des objectifs. C'est bien d'avoir une éthique. En même temps, on peut comprendre. C'est gentil de m'aider, après avoir condamné l'humanité. Vraiment, j'apprécie. Et il fait sombre. Il y avait une zone sombre quelque part. Ah, ça va, c'est pas un château hanté non plus. Ouch. Donc si on pouvait choper... Oh, des gens résistants. Si on pouvait choper un truc qui fait de la lumière au bout d'un moment, ce serait vachement sympa. Ok, en fait, elle tombe toute seule. Bordel.
C'est pas parce que j'ai de la vie que j'ai envie de tout cramer comme ça. Ok. Bon, c'est pas un château hanté, mais c'est plein de choses, de trucs usés, cassés et de squelettes. Là, l'heure de rien, on va quand même. Stand girl, ok. Ça mimique ça. Ok. Hey. Ok. C'est assez bizarre, je l'avoue. On peut pas passer à gauche. C'est assez embêtant, je la... Aïe. Oh là là, je pensais que je pourrais passer sous la... Là. Ok, je pense que je vais d'abord explorer là-haut. Comment elle attaque, elle? Je suis curieux de savoir. Comme ça. Ok. Restons zen. Non, attends. Premièrement, il y avait là-bas un passage en dessous où on n'a pas pu aller, peu importe. Ensuite, ça, ça nous amène là. Oh, j'espère que ça va pas être un trop gros labyrinthe quand même. Y'a un gars qui s'est évaporé. Alors, en face, j'y ai été. Elephant Man Power! Ok, donc là, c'est là où je pensais aller tout à l'heure. En utilisant le singe, donc ça ne sert à rien. On va d'abord prendre le passage du bas. Parce que... Il nous amène en face. Ok, celui du haut. Là j'explore, hein, je suis perdu. Moi, dès qu'il y a un embranchement, je veux trouver le bon passage. Enfin, le mauvais passage. Et ça, ça nous amène... Eh, cool! C'est un des frères de Rotitops. Hein? C'est bien d'être bimaniaque. Donc il faut lui ramener un poster. Et il nous a insulté, hein. Bon, nous d'abord, mais... C'est pas très classe tout ça, monsieur. Je vous ferai savoir d'abord. Par contre, qu'est-ce qu'il entend par prendre le contrôle du château? C'est censé être chez le baron machin par ici. What? Ok. On va plus soigner, on va finir d'explorer par là. Ah mais là c'est fermé en fait, ok. Donc ça ne sert pas à rien. Saleté, t'as trop de points de vie toi. Mais j'ai attaqué! Ouais, j'aurais pu la cramer, c'est vrai. Alors toi.
c'est pas très efficace. Ok, alors elle, il faut absolument que je trouve un moyen d'être plus efficace. C'est pas que je leur en veuille, mais elles me font mal. Il y a beaucoup de choses à faire par ici, hein. Ça, ça amène où ? Yes ! Un souci de moins. Je me demandais comment y arriver tout à l'heure. Comme ça. Donc, on peut aller reprendre le passage qui était à gauche qui amenait à droite. Parce qu'on a exploré tout le reste. Modulo, là-haut, il y a un truc. Non, c'est pas ça que je voulais. Est-ce qu'il y a moyen d'aller là-haut ? Apparemment c'est trop haut, donc non. Mais... on va garder ça dans le coin de la tête quand même. Ah, attendez. Tout simplement. Non, apparemment les murs sont faits exprès pour qu'on puisse pas s'accrocher. Si ! Bon, a priori c'est juste un... c'est juste un truc comme ça qui ne sert à rien. Putain, on est en train de mettre la maison à sac. C'est bon ça. Oh. Ouch. Voilà. Je sais pas pourquoi des fois on y arrive à les tuer, elles. Des fois, un peu moins. Oh, mais le feu qui dure 3000 ans. Ah, ah, ah. Zone 2. On a bien fait du bilan dans la première zone quand même, mais... est-ce que... ok... j'ai peut-être fait une connerie là. Est-ce qu'il y a quelque chose là-haut ? Non. Apparemment, non. A priori, ce sera pas en haut ni en bas. Donc on va juste aller à droite. C'était limite au niveau du timing là quand même, les gars. Oh le. Ok, donc la stratégie c'est, dès qu'elle est totalement à découvert, on la massacre. Je peux m'arranger avec ça. Oh. Sale tête piaf. Ça va les ennemis à l'infini, on se calme un peu. Ok, on se calme pas. Non parce que là c'était juste impossible. Vous vous rendez bien compte du truc. C'est-à-dire quand ils arrivent aussi vite que je les détruis, ben forcément. Oh. Pardon ? Ok, alors on va supposer que j'ai
Ma faute. Je pensais qu'il tournerait vers le bas. Squelette là. Et voilà, les squelettes tout seuls, c'est pas grave, mais avec en même temps les machins au-dessus qui nous... Alors le squelette nous empêche d'avancer. Si en même temps t'as le machin au-dessus qui nous tape dessus, quoi. Vous êtes mignonnes les gars, mais... Les filles, mais bon. Il y a un moment, il faut arrêter d'être dans le chemin, quoi. Et vous êtes trop grande pour que je saute par-dessus, donc... Là dans l'autre... Qu'est-ce qu'elle a à nous vendre celle-là cette fois? Faisons affaire. Danse de la super renaissance, recharge toute la santé en échange de magie. Anéantir, magie des galours. Blobfish. Mais c'est quoi obliterate comme danse? Et blob. Et ça, ça remplace warp. Je me sers pas souvent du warp. Ok, c'est gratuit a priori, donc on peut essayer de le faire. Et voilà, je... Donc je peux remplacer un truc que je n'ai pas. Ok, donc ça me coûte de la magie. Ça me fait apparaître des gemmes. Pourquoi pas. Honnêtement, pour remplacer le warp que, dont je me sers pas beaucoup, raté. Non, mais en fait, ah, c'est serré au niveau du chrono, hein. Je veux dire, des fois, elles sont pas très synchronisées. Si je me transforme en araignée, c'est cool. Elle fait mal. Sale bête. Non, ça aurait été sympa qu'il y ait une petite synergie de ce style, mais apparemment, c'est marche ou crève. Oh, ça a l'air magique comme endroit. Hypno Baron ou Docteur Doom. Il y a une drôle de tête. Et il a terminé. Oh mon dieu! Tremble de peur pendant que tu assistes à la fin du monde. Non. La créature d'une horreur innommable. C'est relatif l'horreur, hein. Non, c'est pas le... Salut. C'était un boss dans le 1 et un caractère gag dans le 2. Voilà. Il est plein de rêves. Il est plein de rêves. Palais de soie. Oui, j'avoue, là, la créature innommable.
C'est pas idiot. Squid Baron, créature horreur innommable. Eh hey, mais... C'est qu'il est chiant. Il est chiant, mais je pense qu'on va le tuer assez facilement. Même si on tank. Je sais pas pourquoi. J'ai pas une transformation qui pourrait m'aider avec ça? Non. Aïe! Voilà. Non, il est mignon en plus, quoi. T'as pas envie de le taper. Mais il est un peu. Il a un tempérament un peu nerveux. Alors faut le calmer des fois. Mais bon, je pense que la fin du monde, on est tranquille. L'ignoble duo! C'est encore le même qui se prend les coups, hein. Sauf que si on pouvait en mettre à lui aussi. Ok, donc la flamme ne fait pas mal en fait. C'est juste le truc au sol qui fait mal. Ok, alors là ça commence à être un peu tendu. Sérieux? Ok. Voilà. Non, parce que j'ai tellement tanké à travers l'autre que... Il accélère en plus, enfoiré. J'ai pas de moment où je peux le taper. Lui, par contre, peut me passer au travers. Ok. Il s'arrête jamais. Je peux vraiment pas le taper, il n'y a pas de moment où il est vulnérable. Quand il tombe, je suis obligé de sauter. On va tanker, hein, il n'y a pas de problème, mais... Quand il tombe, je suis obligé de sauter pour pas me prendre les coups. Et après, il passe au travers. J'aurais peut-être dû le finir lui en premier. Stratégiquement, je sais pas si l'autre aurait pas été moins chiant.
Parce que là, il était vraiment misérable celui-là. Il avait genre. Quand t'as du bol, une frame où tu peux le toucher, quoi. T'es encore là, toi? T'as explosé tout à l'heure. Une grosse tête de con. Je sais pas ce que c'est des raglans. Une mère de malheur éternel. Qui a dit ça? Non, c'est plutôt embellir le tissu de tant de loisirs et de faire flotter l'humanité dans une mer de lourd tissage 100% coton. Confortable. Il y a eu une petite... petit problème de traduction dans le jeu. Et n'empêche que on a évité la chantait contre l'important baron Squid. Non, on a évité la fin du monde, les gars. Bon, on n'a pas évité d'inonder le marché avec des produits Squid Baron. Mais... Oui. Oh, la danse de la harpie. On peut enfin voler? Ah ouais, carrément. Ah ouais, c'est voler à coup d'espace, quoi. On peut pas se baisser, on peut pas attaquer. On peut juste subir. Oh, 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 oh. Bon, revenons à notre machine, à notre dynamo. Parce qu'après tout, c'est ça l'élément central du jeu. Vous noterez qu'en fait, il se passe rien autour. Tu as repoussé le mal 5 fois en une seule journée. Et effectivement. Je sais ce que tu voulais dur. Je dois vraiment à mon oncle d'avoir récupéré ce dernier élément. Nous allons improviser. Oui, c'est sûr que... Oui. Oui. Il n'y a plus qu'à trouver un hamster. Mais si t'as une source d'énergie perpétuelle, pourquoi tu fais une dynamo? Tu sais pas à quoi ça sert, hein, une dynamo. Oh, puis-je trouver un hamster zombie? J'en sais rien. Pourquoi ne l'as-tu pas dit en premier? Les gars, arrêtez de danser sur les claviers quand vous traduisez un jeu, s'il vous plaît. Donc, un hamster zombie et un bloc de fer. Wish. Dans le château dont on vient, là? Non, parce que... On aurait pu gagner un peu de temps sur cette affaire, non? Attends. Qui vous laissera vous envoler à des hauteurs phénoménales. Genre la danse de l'harpie. Genre ça. C'est pas phénoménal, c'est une hauteur tout à fait normale. Elle glisse en fait. Ouais, c'est ça, elle glisse. C'est intéressant. Une femme blob rose est venue te chercher, elle t'attend dans sa caverne à l'usine. Attends, c'est pas le... C'est pas la grand-mère blobfish? On va voir ça. Je viens de voir le chevalier azur dans le magasin. Putain, il s'en passe des choses dans cette vie. Alors, primo ici, il ne se passe rien.
deux yeux ici, il ne se passe rien. Mais ça détend. Info intéressante sur un film. Vous avez vu le dessin animé classique The Little Box Sag? Non. Pardon. Quelque part sous l'oasis du désert. Ok. Donc le bloc de fer, je sais où on va le trouver. Je suis le Chevalier Azur. Toi, avais-tu été envoyé par le Chevalier Pur pour retrouver son couvre-chef royal? Je ne le donnerai pas à une canaille dans ton genre. Quelles que soient les circonstances, je serais tenté de te la donner si tu me donnais une épée vorpale tranchante trempée dans les larmes d'un triste nouveau-né orang-outan. C'est pas spécifique du tout. Profondeur de l'océan, les eaux putrides. Bon, vu le temps de passe-pas, je devrais pas avoir de problème pour le chrono. Crème méga soyeuse. Bracelet méga magique. Ah oui, au fait, c'est vrai qu'on peut faire ça. Yeah. Quoi? Tu m'as mal parlé, tu m'as mal parlé. Fouch, 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 fouch. Ah, c'est ridicule. Ok, on va parler au Blobfish parce que je sens qu'il va me débloquer. Pardon? Salut? Oui, ça. Comment dire? Il y a un magasin là. Essaye. Bon, je doute. Ah oui, non, lui il veut que. Ah, oh, ok, donc lui il veut me donner un couvre-chef. L'autre elle veut un couvre-chef. Peut-être qu'on peut trouver moyen de concilier l'information. Non. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. En cours. Merci. Et que la prochaine fois, on va aller ramener un couvre-chef au Blobfish. Pour ce faire, on va ramener une épée au chevalier. Pour ce faire, on va aller dans les égouts sous l'oasis. Ou sous la rue. Centre principal. Attendez, juste... histoire que je dise pas des conneries. Non, ça c'est les bains, ça. Le magasin... Donc lui, il a dit que le gars, il était... Il veut plus me le dire. Cela dit... Voilà, il faut que j'aille à la rue principale, en dessous, pour trouver ce que je cherche. Je vais re-sauvegarder, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et donc, je vous dis à la prochaine où on ira dans les égouts, apparemment. C'est un choix. Effectivement, c'est un choix. A plus!